Certains écoliers français ont enfin pu retirer leur masque. Depuis ce lundi, il n'est plus obligatoire pour les élèves du primaire dans les zones les moins touchées par le Covid-19, autrement dit dans 47 départements où le taux d'incidence est passé au-dessous du seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. Les enseignants, eux, doivent encore le garder, mais pour les petits comme les grands, le soulagement est bien là. Avec le masque, c'était plus compliqué de respirer. C'était compliqué de comprendre les gens, parce qu'ils parlaient, mais avec le masque, ça bloquait un peu la voix. C'est pas très agréable, parce que ça faisait mal aux oreilles. Ah bah ça fait plaisir. Bon, on les voyait maintenant sur la cour sans masque, mais c'est vrai que là en classe, ça fait un plus. Et puis bon, ça fait du bien de les voir sourire. Et on voit qu'ils sont contents, ça leur enlève quand même un sacré poids. Les parents aussi apprécient ce signe d'un retour à la normale. Quand j'ai vu ma fille colorier un coloriage de princesse et que je l'ai vue faire le bas du visage avec une couleur et le haut du visage avec une autre couleur. Et là, c'est vrai que ça m'a fait drôle. Je me suis dit, bah oui, bah ils ont grandi avec ça. Dans les collèges et lycées, les règles du port du masque restent en revanche inchangées pour le personnel et les élèves. Il faudra encore patienter pour laisser place à tous les sourires.